Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Full Sets Mega Drive. Donc aujourd'hui, on va jouer à Demolition Man, édité par Acclaim, sorti en 1995. Donc on a là un des derniers jeux de la Mega Drive. Un jeu que je ne connais pas du tout, que j'ai dans la collecte, mais que j'avais pris parce que j'aimais bien le film en fait, et jamais réellement pris l'occasion de tester. Ouais, c'est fort. J'espère que tout fonctionne bien chez vous. Allez, Demolition Man. Donc aujourd'hui, nous ne devrions pas avoir de problème avec la manette. Je l'ai chargée toute la soirée. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc film sorti en 94, si je dis pas de bêtises, avec Stallone et Wesley Snipes. Film très sympa. Donc difficulty, hop, calme. Ouais, on va se mettre en calme, hein. Hop. Option. Action, qu'est-ce que c'est action? Donc c'est un run and gun ici. Allez, c'est parti. Los Angeles 1996. Salut Terry. Une des scènes les plus mythiques du film quand il saute à élastique. Alors c'est très très bourrin. Hein, on va voir donc. Le truc d'où le thème Run and Gun. Alors je peux plus toucher. Comment est-ce que je monte? Bon, allez, on va avancer. Non, il passe pas au travers. Alors on a donc A pour lancer des grenades incendiaires, B pour tirer et C pour sauter. Hop là. Ah, lui je peux le toucher à travers. On a Alors, le jeu a été pas trop mal. La réception du jeu était pas mauvaise. Oula, changer d'arme. Son plus gros problème peut-être est sorti d'être sorti un peu tard. Faut savoir aussi qu'il y a une version 3DO et une version. Par contre, ils sont chiants à repopper les ennemis. Il y a une version donc et Mega CD également. Hop là. Donc c'est pas un mauvais jeu en soi. Hein. Ça faisait toujours peur à l'époque quand on avait une adaptation d'une licence. Mais là, le gameplay répond plutôt bien. Hot dog. Hop là. Et je suis mort. À mon avis, il fallait que je fasse quelque chose avec l'élastique. Je suis retombé avec l'élastique là. Ça, c'est super classe, je trouve. Ils ont récupéré un des meilleurs éléments de ce parti. Alors voilà, on suit le scénario du film avec quelques libertés. Comment je monte? Est-ce que je peux d'ailleurs? Est-ce que je peux monter? Alors, j'ai pas l'impression qu'on puisse monter. C'est dommage pour cette vie. Hop là. Ah oui, si je peux monter. Merde. Non. Trop tard. Trop tard. Moi, est-ce que je peux me hisser comme ça? Non. Alors, on va sauter. Oula, il avait un gros flingue, lui. Je suis content. Une vie. Et c'est un mur, pardon. J'ai pas compris. C'est des barils de C4 qu'on lâche, c'est assez bourrin. C'est pas censé péter d'ailleurs. Ok, la tyrolienne. Et donc là, on a Wesley Snipes. Allez. Oh, c'est vraiment pas. On va vraiment pas dans la dentelle, mais en même temps, c'est pas vraiment la philosophie du jeu, hein, donc. Ouais. Ok, ouais, donc on a tout fait péter, il fallait tout faire péter, j'imagine. Non. Non, il fallait tracer. Bon, ok. C'était pas super clair.
Allez, on va continuer à bourriner. Ok. Alors, je sais pas comment je vais passer ça. Alors. Ok. Va y en voir. Je vais jeter une grenade dedans. Non, ça fait rien. L'animation, bien que les sprites soient assez petits, c'est pas vilain. Ouais, faut sauter. Ok, fallait sauter, fallait courir et sauter. Donc, premier stage. Donc, on s'est fait congeler et on arrive dans le futur. John Spartan. Donc, ouais, non, ça, pour moi, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'avais d'ailleurs acheté en laserdisc. Un des meilleurs films de Sandra Bullock, je dirais, devant Gravity. Ok, le score. MDK. En français, c'était quoi? C'était meurtre. Meurtre quelque chose. Meurtre, violence, détruire ou un truc comme ça. Bon, alors. Ok, start. Ok, alors là, du coup, on change de gameplay. Alors, on garde toujours les trois mêmes boutons. Mais maintenant, c'est en vue comme ça, c'est assez déstabilisant. Et, alors, je me rappelais pas qu'il y avait autant de monde dans le film, dans le musée. Il a décongelé du monde là. Ouais, il faut sauver les otages. Ouais, c'est vraiment pas subtil, mais ça reste assez défouloir. Alors, j'ai pas réellement vu de différence avec la version Super NES. En tout cas, j'ai pas trouvé le jeu est assez mal référencé, mine de rien, sur Internet. Je voulais chercher un peu des anecdotes ou quoi. Bon, c'est pas la joie, quoi. Alors, par contre, ils arrivent. Ah, c'est génial, hein, ils arrivent à me tirer dessus à travers les cloisons. Ils savent qu'il n'y a pas de plafond. Je suis mort? Ok. C'est un peu trop tard. Toi, tu vas vite me gonfler avec tes grenades. C'est un cul-de-sac, mais c'est par là. C'est pas grave, il y a une trousse de soins par là. Non, c'est ça reste assez fun à jouer. Après tout, est-ce que c'est pas l'essentiel? Il y a du monde là, ça. Alors par contre, la visée, c'est loin d'être le plus précis du monde. Hein. C'est par là. Ok. Il me faut une carte. Ah, moi, ce qu'il fallait que je libère. Un otage pour me permettre d'ouvrir. Ouais. C'est ça. On a même pété les vitrines. Be well. C'est vraiment dans cette période-là avec, avec Last Action Hero. Deux films, entre guillemets, enfin c'est des films d'action débridés qui enchaînent le fun et l'action, vraiment très très agréable à mater quoi. Oh. Alors, on continue par là. Ouais non, ça répond bien. Tu vas mourir toi. Alors.
Enfin, tu pètes vraiment tout, quoi. Je me suis fait péter. Alors, par contre, c'est ma dernière vie. Ah, c'était des explosifs, ça? Alors ça fait mal, ça. Le petit fusil à pompe, il est assez dévastateur. Ouais, la trousse de soins, elle serait pas mal. Viens par là, viens voir papa. Mais bon. Il y en a une deuxième par là. Ah, c'était mineur, ou même au niveau des éléments destructifs et tout, c'est pas dégueulasse. Comme je disais, voilà, un jeu adapté d'une licence, à l'époque, on n'en attendait pas grand-chose, à part si c'était peut-être un jeu Disney qui était fait par Capcom ou par Virgin, qui était quand même assez chouette. Alors je mettrai entre parenthèses Le Roi Lion, où j'ai une grosse expérience traumatique sur ce jeu-là. Je crois que j'ai jamais passé le stage 2. Alors... Par là, il y a encore un otage à sauver. Voilà. Alors. Eh mince. Ah oui, je veux vraiment continuer. Hop. Alors, on recommence au début du stage. Alors. Les grenades, tu t'en passeras. Hop là. Hop, deuxième otage. Hop là. Ça pète pas. Hop, il y a un otage que j'ai oublié là-haut, celui que j'avais oublié tout à l'heure, là aussi. Ils sont tous en train de me filer au train. Ça peut pas. Bon, ça va, ils sont pas super malins. Alors la musique est pas dégueulasse, elle est pas mémorable non plus. On l'oubliera assez vite, je trouve. Ok, je te fais péter. En tout cas, ça désherbe. Hein. Be well. Alors, on continue à avancer par là. Bon, c'est la bonne occasion vu que Stallone vient d'annoncer le développement de Demolition Man 2. Je sais pas trop quoi penser de cette annonce-là. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'il faut pas juste s'en arrêter au 1 Le 1 était bien. Il gère bien ses licences. Oula. Je pense que le 1 était bien et qu'il fallait s'arrêter là. Je suis mort? Merde. Ok. Oula, petit ralentissement du jeu là. J'ai fait ramer la Mega Drive.
En même temps, il y a quand même pas mal de sprites à l'écran. Tiens, prends, mange la grenade. Pas tout péter. Ça porte, voilà, le jeu porte bien son nom au niveau de la série. On est vraiment dans la démolition. Hop. On va sauver l'otage. Ok. Ah, ça serait bien de... J'aimerais bien finir ce stage-là, quand même. Ça pète. Oh non, mais sérieusement, à travers le mur. Oula, ça. Ah, ça. Tout pété. Ok. Hop, un otage en plus. Si je pouvais avoir un peu plus de fusil à pompe, ça serait pas dégueulasse. On se rapproche gentiment de la fin de l'émission. Ok. Eh oh, je visse comme un pied. Alors, c'est un petit peu labyrinthique. Je peux y aller là? Ah ouais. Comment les aligner tous? Tous en rangée. Allez, en rang d'oignon. Viendra pour tout le monde. Ok, c'est dommage, j'y avais rien. Ok. Allez hop, ça serait sympa de terminer cette émission. Et ben voilà. Ok. Premier boss du coup. Oula. Et c'est pas évident. J'ai plus de grenade. Et je suis mort. Et j'ai plus de grenade. Et je peux pas sauter. Ah bah je suis en auto fire par contre. J'avais pas fait gaffe. Alors par contre, vu que je peux pas me déplacer et viser en même temps, c'est pas évident. Je pense que le boss va avoir ma peau. Ouais, je suis déjà encore mort. Ouais. Alors on va essayer une dernière fois, histoire de finir le live en beauté. Oh non! Oh non! Bon, bah tant pis. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Demolition Man sur Mega Drive. Un jeu très très sympa à faire, je vous le conseille. On se retrouve pour une prochaine émission. A bientôt! Bye bye!